Bonjour et bienvenue à ce Market Live, dernier Market Live de l'année, donc Market Live de 11h. Nous verrons une partie macroéconomique un peu sur justement ce qu'il s'est passé cette année, surtout qu'est-ce qu'il faut attendre du coup de cette nouvelle année 2021 qui va être assez mouvementée également. On attend en début d'année beaucoup d'événements, beaucoup d'informations en Europe avec le Brexit notamment, avec bien sûr la pandémie à travers le monde, aux États-Unis avec ce stimulus, cette passation de pouvoir, les élections sénatoriales, donc beaucoup de choses à attendre de ce mois de janvier déjà, hein, même au début d'année, et puis par la suite, bien sûr, les conséquences et la réflexion sur cette pandémie justement qui ne sera très probablement pas terminée, bien sûr, au moins sur le premier semestre 2021, en attendant justement que le vaccin, on l'espère, fonctionne et amène une immunité. En tout cas, on a tout de même sur ce dernier Market Live, donc, rappeler certaines informations que nous allons surveiller en 2021, en tout cas au début de l'année, hein, puisque nous nous retrouverons tout de même le 4 lundi, ce sera Alexandre Baradez. Ici, simplement une information court terme, donc toujours sur ce stimulus. McConnell, qui est le leader de la majorité républicaine au Sénat, vient de, non pas bloquer, mais mettre des conditions sur les 2000 $. Hein. Donc pour le moment, les 600 $ ont déjà été votés, ils vont être distribués, 600 $ par Américain. Mais Donald Trump a demandé une hausse à 2000 $. Il y a un combat au Sénat, à la Chambre des représentants également sur la loi, sur la défense, sur laquelle Donald Trump a mis son veto parce que il y a d'autres raisons qu'il a citées, mais la raison principale, c'est qu'il n'y a pas une loi pour réduire la protection des réseaux sociaux, hein, parce qu'il se plaint des réseaux sociaux qu'il serait contre lui. Donc voilà, il y a également cette loi de défense, donc, qui a été votée à la Chambre des représentants et qui va être votée au Sénat très probablement, malgré le veto de Donald Trump qui ne souhaite pas passer cette loi. Et donc, il y a également, donc, cela amène à des discussions également, à des négociations politiques sur le stimulus et sur ces 2000 $ pour les Américains. Donc, ici, il y a McConnell, donc, qui vient de mettre des conditions assez importantes, en plus, justement, de ces 2000 $, très probablement pour ne pas voir cette loi passer justement. Donc la Chambre des représentants, qui est majorité démocrate, n'acceptera pas ces conditions. Et donc un nouveau report de ce stimulus, pas de problème sur les marchés par rapport à cette information. Mais ici, nous allons suivre, donc, et je le disais, au début d'année, ce stimulus qui va être important pour la reprise économique américaine. 600 $ ne devrait pas être suffisant. Et au-delà, bien sûr, hein, si on pousse la réflexion, voilà, de donner 2000 $ à chaque Américain n'est pas forcément la bonne solution pour reprendre une économie et n'est pas non plus en adéquation avec la politique, finalement, aux États-Unis, qui est contre le socialisme. Ici, c'est de la distribution au-delà même du socialisme aux États-Unis. Donc voilà, il y a une remise en question sur la politique aux États-Unis. Joe Biden va donc prendre l'investiture, on en parlera tout à l'heure. Ici, pour revenir, donc, je le disais, sur cette année 2020 et surtout l'année 2021 et le début. Ici, c'est donc les perspectives économiques, donc, du FMI, hein, qui ont été faites, donc, dernièrement. Il me semble que c'était octobre 2020, donc ce sont les dernières. On en avait également en avril et on voit donc une aggravation des perspectives économiques. Moins 4,4 et ici le rebond est moins important que ce qui avait été donné au début. De la même façon pour les États-Unis. Et ici, c'est octobre 2020. Il n'y a pas eu de stimulus, il n'y a pas d'aide, au-delà bien sûr de Jérôme Powell, de la Fed, de la Réserve fédérale, et donc d'un soutien monétaire qui gonfle les actifs financiers, mais pas de soutien fiscal, budgétaire pour les Américains, et donc pour permettre finalement la croissance. Hein, parce qu'il y a beaucoup d'aide qui intéresse beaucoup les marchés, mais ce n'est pas de l'aide pour retrouver la croissance, c'est de l'aide pour soutenir ce qui est en place. Donc il faut justement trouver des aides, le stimulus, on en parlait juste avant. Et donc cette croissance ici, ce sont les États-Unis, le monde, les États-Unis, 3,1%, c'était au-delà, donc, sur les perspectives d'avril, hein, donc on connaissait déjà la pandémie. Il est probable, il est fort probable que cette perspective de 2021 soit encore amoindrie, en tout cas sur les prochaines perspectives, en l'absence de stimulus et avec la poursuite de la pandémie. Ici, donc, la situation, justement, la pandémie aux États-Unis. Nous avons donc une poursuite, hein,
de cette pandémie, hein, malgré l'espoir vaccin, on verra justement le schéma juste après. Ici, il y a tout de même une aggravation, hein. On a eu quelques légères baisses ici, ce sont malheureusement les décès journaliers et les hospitalisations. Au-delà, les nouveaux cas, les nouveaux tests, bon, voilà, ce sont des données qui peuvent être faussées. Les hospitalisations, bien sûr, sont comptées, même si, bien sûr, ce sont des données qui sont, qui peuvent être subjectives. En tout cas, on a différentes données selon la source. Mais ce qu'il faut regarder, c'est bien sûr la tendance, hein. Ici, on est sur les derniers mois, donc sur la situation, aux États-Unis. Les hospitalisations, très importantes, qui amènent justement à une augmentation, des décès. On a vu ici, ce ne sont que les derniers mois, les derniers 90 jours, mais la tendance, qu'on a vu précédemment avec les pics d'hospitalisation qui se sont sur les deux prochains précédents pics, pardon, se sont arrêtés à 60 000. Ici, on est quand même à plus de 120 000 et la perspective, en tout cas, cela continue d'augmenter. On a vu sur les précédents pics que le pic de décès était à peu près une dizaine de jours, 2 semaines après le pic des hospitalisations. On est toujours sur une augmentation des hospitalisations et on est à près de 4 000 décès dans les dernières 24 heures aux États-Unis. Donc voilà, malgré ce vaccin et cet espoir qu'on voit sur les marchés, la situation n'est pas si positive que ça. On n'a pas encore atteint ce pic ici et donc le pic sur le nombre de décès. On peut aller au-delà des 4 000, au-delà vers les 5 000, au-delà même, je ne sais pas, mais en tout cas, la perspective est vraiment négative, en tout cas aux États-Unis. Joe Biden pourrait changer la donne, mais voilà, encore une vingtaine de jours, encore 3 semaines, pour peut-être changer justement la courbe, ou en tout cas changer les méthodes pour essayer d'endiguer cette pandémie aux États-Unis. Hospitalisation plus de 120 000. Je rappelle que lorsqu'on était à 60 000, il y avait de l'inquiétude, en tout cas, sur le nombre de lits disponibles. Bien sûr, il y a eu des efforts qui ont été faits pendant ces mois, hein, pour se préparer à une autre hausse, mais ici, on est au double des 60 000 lorsqu'on s'inquiétait. 4 000 décès, donc presque, aux États-Unis pendant les dernières 24 heures, et la période de Noël peut être extrêmement négative aussi. Donc, malgré et ces vaccins, il y a une urgence extrêmement importante, et je parle des États-Unis, mais l'Europe est également pareille. On l'a vu, la France, avec ce couvre-feu qui pourrait être à 18 h, on voit l'augmentation des restrictions un peu partout en Europe, et donc la situation est extrêmement grave, malgré la hausse des marchés par voilà, les marchés qu'ils voient au-delà de cette pandémie, donc ici. Mais attention, la situation est extrêmement extrêmement grave, et au niveau de l'économie, on le voit également, puisqu'on parle des marchés financiers, de l'économie, l'impact est en train de se faire ressentir, le rebond n'est plus là. On le voit donc ici sur les vaccins, en revanche, hein, les marchés qui restent focalisés sur ce vaccin, sur les bonnes nouvelles uniquement, et voilà, on a effectivement de l'espoir sur ces vaccins. On a tout de même quelques mois, même si ces vaccins étaient à 100% efficaces, dans le temps également, il y a quelques mois tout de même extrêmement dur. On l'a vu au niveau des courbes, hein, les mois qui vont suivre, tout le monde ne sera pas vacciné. Peu de gens vont être vaccinés au premier trimestre, hein, par rapport à la population mondiale qui est touchée entièrement. Et donc, ce premier trimestre va être extrêmement sous tension. Et donc, le vaccin, si tout se passe bien, si la logistique est bonne, si les vaccins sont faits, si les vaccins sont efficaces à 100%, il peut justement, on peut commencer à avoir une immunité à partir du deuxième trimestre. Le premier trimestre, en revanche, va être sous pression. C'est plutôt l'aggravation de la pandémie dans l'attente du vaccin. Mais les marchés, on le sait, se focalisent sur l'après, bien entendu. Et donc, oublie ces mauvaises nouvelles qui vont être extrêmement néfaste sur l'économie, bien sûr, et sur la population mondiale. Également, en début d'année, donc les élections, donc on parle un peu politique ici aux États-Unis, les élections sénatoriales en Géorgie, donc ce dernier État, donc, où il manque encore deux sénateurs. Ici, on est donc à 48, hein, le Sénat qui est extrêmement surveillé, la Chambre des représentants, hein, le Congrès est donc la Chambre des représentants, et le Sénat. Et donc les lois sont votées d'abord à la Chambre des représentants, ensuite au Sénat, et puis approuvées par le président. Et donc ici, la Chambre des représentants est
démocrate et resté démocrate avec un peu moins d'avance que pendant le précédent mandat. Mais ici, si les sénateurs remportent ces deux sièges, il y aura une égalité au niveau du Sénat et pourrait faciliter justement les prises de décision, la mise en place des lois de Joe Biden. Donc ici, il reste deux sièges, ce sera le 5 janvier. On voit les perspectives, c'était celle d'hier. On voit donc le candidat républicain ici et un candidat démocrate. Et donc il est pour le moment par rapport à ce sont les personnes qui ont déjà voté ici. Et donc il est probable que nous ayons donc 51-49 et donc une avance légère qui pourrait permettre aux démocrates d'avoir un peu plus d'influence si la Chambre des représentants, elle est démocrate et si le Sénat est avec une toute petite avance pour les républicains par rapport à l'année, en tout cas pendant le précédent mandat, nous étions à 52 républicains et 46 ou 43 démocrates parce qu'il y avait également des sièges d'indépendants. Et donc une majorité assez importante au niveau du Sénat, ce qui a permis justement aux républicains d'avancer certaines lois. Ici, on suivra avec attention, ce sera le 5 janvier, donc avant la prise de pouvoir justement de Joe Biden. Et voilà les principaux sujet que l'on va surveiller au niveau de Joe Biden après le 20 janvier, ces 100 premiers jours hein, aux États-Unis. On regarde les 100 premiers jours du président qui sont assez cruciaux et donc qui vont nous indiquer beaucoup de choses sur la politique de Joe Biden, notamment donc sur la Chine, les partenaires commerciaux, avec la Chine et l'Union européenne qui tentent de valider un accord avant justement l'investiture de Joe Biden, qui pourrait amener des tensions justement. Le Covid, bien entendu, on en a parlé, qui est toujours, toujours là. Et puis les vaccins, la logistique, c'est ce qui est le plus important. L'approvisionnement, l'efficacité, bien entendu. On fait confiance pour le moment aux informations qui nous ont été données, mais bien entendu, ce sera dans quelques semaines, quelques mois que l'on pourra vérifier l'efficacité et surtout à long terme. Et donc les vaccins, la logistique, ensuite, au-delà de l'efficacité, c'est bien sûr de vacciner et donc de rendre, de créer l'immunité au niveau mondial. Les aides fiscales et budgétaires, on en a parlé également, hein, le stimulus et ce blocage ou ces conditions extrêmement défavorables ou que n'accepteront pas les démocrates à la Chambre des représentants, donc fiscal et budgétaire, et puis le soutien monétaire, bien que normalement, hein, bien sûr, il y a une indépendance entre la Réserve fédérale, ou en tout cas entre la Banque centrale, la Réserve fédérale dans le cas des États-Unis, et le pouvoir politique. Mais on l'a vu pendant le dernier mandat, où on pouvait douter certaines fois justement de cette indépendance. Donc on suivra quand même, même si bien sûr Joe Biden n'a pas, normalement, il va décider du prochain président de la Réserve fédérale en janvier, me semble-t-il, mais normalement c'est une indépendance parfaite. Mais tout de même, voilà, le soutien monétaire, on le voit, a beaucoup plus d'influence actuellement que le soutien budgétaire, puisqu'il n'y en a que peu. Et la croissance économique qui va avec ces trois points, c'est la croissance économique, la dette aux États-Unis et la consommation. Pourquoi la consommation? Parce que cela représente une grosse partie du PIB américain et la consommation est extrêmement importante. Et on l'a vu justement au niveau des statistiques, c'est extrêmement baissier la consommation aux États-Unis et les autres statistiques d'ailleurs. On en parlera très probablement au premier trimestre. Et donc un premier trimestre qui s'annonce un peu difficile, même si les marchés, eux, gardent confiance comme toujours. Ici, on est donc sur la fin de l'année. On a tout de même pour le moment une correction, hein, une légère correction plutôt technique avec l'arrivée sur les 13 830, hein, donc le plus haut. Et on a un nouveau plus haut historique sur le DAX, en tout cas avec la cotation ici sur les CFD. Et donc ce retour technique pour le moment. Attention, hein, je parle de la psychologie des marchés comme toujours. La situation économique, la situation sanitaire amène à penser de toute façon que le marché va corriger de façon extrêmement importante. Pas un crash non plus, mais il faut un retour à la réalité. Donc soit c'est un retour à la réalité entre l'économie et les marchés financiers qui se fait tranquillement, donc un rattrapage plutôt de l'économie avec justement un rebond moins important, voire une correction sur le marché, petit à petit, rattrapage de l'économie, et on peut repartir dans une économie et des marchés sains. Ou alors, c'est bien sûr aucune prise de conscience, une poursuite de cette hausse, et ici, ce sera très probablement une chute extrêmement importante. Pour le moment, les marchés baissent, c'est la dernière séance de l'année, on verra justement l'année prochaine. Il y a ce qu'on appelle également, en tout cas à la fin de l'année, vous coupez, beaucoup de gérants de fonds le font, vous coupez les positions qui sont perdantes
pour les racheter l'année d'après. Cela permet plusieurs choses, de réduire la base imposable hein, finalement sur les plus-values. Si vous vendez des positions à perte, cela diminue justement la plus-value. Et puis également de faire bonne figure pour les fonds en tout cas, et d'avoir que des positions qui sont bonnes. Donc vous vendez les positions qui sont perdantes et vous rachetez un peu les positions qui ont gagné pour avoir un screenshot finalement de l'année qui est plutôt favorable. Et puis racheter ensuite les positions, les mêmes positions à peu près au même prix hein, le jour d'après. Mais voilà, cela permet deux choses. Et donc sur la fin de l'année, en tout cas le dernier jour, on peut avoir certaines secousses sur certaines actions, plutôt les perdantes justement, et donc il y en a peu, bien sûr, on le sait, dans le marché. En tout cas, ici, pour le moment, c'est une correction technique tout à fait naturelle, tout à fait normale, saine dans ce marché qui ne l'est pas. Et à l'arrivée, donc on est en hebdomadaire de cette oblique, la résistance oblique ici, hein, des deux derniers plus hauts historiques, et donc retour en arrière, hein, on l'a déjà vu d'ailleurs, donc attention tout de même à une accélération qui serait tout à fait normale étant donné la situation, mais les marchés restent positifs. Nous avons donc une correction technique, on est venu sous ce niveau et donc on pourrait voir un retour ici sur ces 13 460, donc qui était le niveau de support avant peut-être un rebond haussier ou une prise de conscience, mais le début de l'année pourrait être une nouvelle fois haussière. Voilà, on peut encore avoir quelques semaines, quelques mois d'accélération haussière, mais vu la hausse que l'on a, c'est tout de même de plus en plus, on se rapproche donc de cette prise de conscience justement, parce que les statistiques économiques vont rattraper les marchés. Donc il y a deux scénarios possibles. Bien sûr, la hausse va se poursuivre, très probablement. Hein. Mais ensuite, c'est soit un rattrapage dans le calme de l'économie et donc un calme sur les marchés, une correction légère pour laisser l'économie rattraper, la situation rattraper, la valorisation qu'on a actuellement. Ou alors, c'est justement une poursuite, un déni jusqu'au bout et très probablement une chute assez importante. Pour le moment, on est toujours dans cette phase très haussière, d'optimisme, mais pour le moment, c'est une correction donc, qui pourrait nous amener sur les 13 500, ici 13 460, on est sur le DAX, avant l'accélération haussière. Je vais reprendre donc maintenant sur le CAC, hein, pas d'analyse forcément détaillée, mais de la même façon, le CAC qui se maintient plutôt bien ici, et donc qui reste au-delà des anciens plus bas, on est au-delà de cette tentative ici, hein, des 5 540, et donc l'objectif de la même façon de venir sur les 5 700, en tout cas sur cette oblique, on va le voir dans d'autres horizons de temps. Voilà, on en parlait justement, on est toujours dans ce niveau de résistance ici, hein, qu'on a connu pendant 2017, 2018, 2019, avant une cassure importante, et donc l'hésitation ici toujours. Et donc l'objectif est ici de venir, on l'a vu donc en journalier, sur l'oblique qui correspond également à 5 680 points ici. La cassure, au-delà de l'oblique en journalier, au-delà de cette zone de résistance en semaine, on peut aller chercher les 6 000, combler ce gap et aller chercher un nouveau plus haut, non pas historique hein, sur le CAC. Attention, on est loin du plus haut historique. Voilà donc sur le CAC. Attention en revanche de l'autre côté hein, à une cassure sous les 5 540 que l'on a vu également en journalier, hein, qui est un support qui pourrait nous ramener une nouvelle fois sur ces 5 200, 5 300 points, la moyenne mobile 100 et 200 périodes. Voilà, on poursuit donc, on va maintenant regarder, d'ailleurs j'ai commencé par les indices, pardon, on va donc continuer sur le Forex, et puis je reprendrai donc sur les indices américains qui ne sont pas encore ouverts, on est le matin, c'est une séance qui sera un peu écourtée, donc j'ai fait donc le DAX et le CAC, et je vais faire le Forex, et puis on regardera les indices américains. Donc on commence avec ici, sur le Forex, l'euro-dollar, GBP-USD, USD-Yen, ici, et puis on regarde bien entendu le dollar américain. Le dollar américain qui tente un léger rebond en semaine ici, mais qui ne devrait pas durer à moins que les marchés justement prennent conscience et donc chutent. Mais pour le moment, ce n'est pas la psychologie des investisseurs. On est toujours sur une hausse, et donc on voit toujours le dollar américain malgré cette tentative ici. On voit toujours le dollar américain qui est en baisse. Une hausse en revanche, ou en tout cas des craintes sur les marchés pourraient amener à une hausse assez importante sur cette devise. En tout cas, on va maintenant aller sur l'euro-dollar. L'euro-dollar donc qui est en train de corriger pour le moment, une correction technique, on en parlait hier justement sur ces niveaux, attention au retour, attention à cette valeur élevée, et donc un retour technique pour le moment qui n'est pas sur une tendance baissière, on reste
au-dessus de ce niveau, hein, 1,2270. Sous ce niveau, en revanche, on va chercher l'oblique qui est sur les 1,22 actuellement, un peu en dessous, 1,21,90, 1,22 sur l'euro-dollar. Un maintien au-delà permettrait justement les 1,23,35 que l'on voit ici. Mais on en parlait, ce niveau est assez élevé, donc attention au retour en arrière. S'il y a une hausse du dollar américain, attention à une baisse importante sur cette paire de devises. Et puis également, le Brexit a aidé un peu, la baisse du dollar surtout, bien entendu. Et attention au Brexit, aux craintes maintenant que nous avons un deal, en tout cas un accord. Ce sont maintenant le questionnement et les risques qui vont venir donc sur les marchés. Donc on suivra cela avec attention au niveau de l'euro-dollar. Pour le moment, c'est une correction tout à fait normale que nous avons et nous pourrions donc voir une nouvelle hausse sur le marché. On suit donc le maintien au-delà des 1,2270 qui permettrait l'accélération haussière par la suite. On va regarder donc le GBP/USD qui a bien été aidé également et qui continue d'être aidé par ce Brexit justement, par cet accord en tout cas. Mais attention au risque par la suite, on est en une heure ici, on va regarder donc en une semaine, toujours sous... En tout cas, toujours en train de tester cette résistance, 1,3641, qui est donc le Fibonacci. Hein, le précédent Fibonacci, les 50% ici, avait montré une forte résistance. Hein, donc attention tout de même à cet échec qui pourrait nous ramener une nouvelle fois sur les 1,32. Tant qu'on est au-delà ici hein, des 1,35, 1,34,90, 1,35, on reste sur une accélération haussière qui pourrait nous ramener sur les 1,40 à moyen terme. En revanche, les risques liés au Brexit, hein, le questionnement, la City également, hein, tout cela va amener à des risques et pourrait nous ramener justement à un échec et à retour sur les 1,32. On suivra avec attention en début d'année justement, 1er janvier demain, donc c'est nouvelles normes, nouveaux accords, nouveau UK, en tout cas, nouvelle relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne à partir de minuit ce soir, heure française. On va poursuivre donc et on regarde l'USD Yen maintenant. L'USD Yen, donc, pas de changement également, hein, qui tente ce rebond, on le voit avec le dollar américain. Donc, le dollar américain plus 0,6, plus 0,6 sur 0,5 sur le 0,05 sur l'USD Yen. Donc, toujours cette influence du dollar américain et qui pourrait, on est quasiment allé justement tester notre niveau. On en parlait hier pendant le Market Live, on était plutôt sur une accélération baissière et on est quasiment venu tester notre niveau. Double bottom qui pourrait amener à une tentative d'accélération et venir sur les 103,90 voire sur l'oblique. Mais on n'est pas venu tester, c'est ce que je disais, ce niveau et il est probable que la baisse du dollar américain, la reprise de la baisse du dollar américain avec tout cet espoir sur les marchés amène à un retour 102,80, 83 et puis revenir sur cette oblique actuellement situé sur les 102, 50, 102, 55. Voilà, court Forex, on retourne donc sur les indices maintenant et on va regarder les indices américains. Donc, je le disais, j'ai fait les deux indices européens DAX et CAC au début, Forex, et puis maintenant nous allons donc sur les indices américains qui sont bien sûr fermés avant l'ouverture, donc et une séance qui sera bien sûr écourtée. Ici, donc, on va commencer sur les indices américains, on commence sur le Dow Jones, S&P et puis Nasdaq 100. Donc, sur le Dow Jones, de la même façon, on garde, pas de surprise, hein, c'est une volatilité voilà, de fin d'année, un rallye tout de même. Ce n'est pas un rallye, mais c'est une hausse tout de même de fin d'année. Le Santa Rally a été plutôt cette année, Noël est venu avant. Et donc, par la suite, on a tout de même continué d'accélérer. Cet optimisme, donc... pourrait perdurer en début d'année, hein, tout début d'année, et venir justement sur notre objectif, les 31 132 points. Sous les 30 000, accélération, attention, et un retour sur ce support. Ce support, c'est l'ancien, celui-ci, c'est l'ancien plus haut historique que l'on a vu en mars, donc qui est situé ici sur les 29 570. On passe tout de suite au S&P 500. S&P 500, de la même façon, hein, qui valide le dépassement de cet oblique, un oblique, voilà, les anciens plus hauts historiques, avant crise, après crise, un plus haut historique au-delà, un nouveau plus haut historique en tout cas après pendant une pandémie ici, et nous validons cette résistance hein, pour le moment encore en train de tester justement qui pourrait nous ramener à une correction sur les 3700, 706 sous ce niveau. De la même façon, on va aller chercher ce plus haut et le nouveau plus haut historique qui a été atteint en septembre hein, loin de l'ancien plus haut historique d'avant pandémie.
bien sûr. Ici, donc 3587 à la hausse, maintien au-delà de l'oblique, on se maintient au-delà des 3730, on va aller chercher les 3821. Le Nasdaq, notre Nasdaq qui continue sa hausse, hein, loin de son ancien plus haut historique. Voilà l'évolution, hein, pour cette fin d'année. Une belle évolution du Nasdaq. Le Nasdaq, donc la bulle Internet, ici, on en est bien, bien loin. Et la crise. Alors, voilà, la crise des subprimes qui paraît insignifiante par rapport à ce que nous avons ici. La Fed qui est donc rentrée sur le marché, la Fed qui a fait le marché et qui a accéléré par la suite. Et donc, ce n'est pas forcément très positif de voir un graphique comme ça. La précédente crise, c'était simplement ça. Donc, bien sûr, on était sur les 2000, on est revenu sur les 1000, mais cela paraît tout à fait insignifiant par rapport justement à la valorisation actuelle des marchés. C'est le Nasdaq, c'est la nouvelle technologie, bien sûr, c'est la pandémie. Il y a beaucoup de justifications à cette valorisation supérieure à celle que nous avions avant la crise. Tout plein de justifications, mais tout de même, le graphique parle de lui-même. Bulle Internet qui a duré longtemps, hein, donc on a un peu de temps, même si ce gonflement a commencé dès 2009, a dérapé par la suite et surtout après la crise. Voilà, cette bulle Internet, cette hausse des marchés, hein, si on reprend ici 96, 4 ans de hausse avec des justifications toutes pareilles sur les marchés financiers, sur la perspective. La différence entre ici et ici, c'est qu'ici, il y avait des perspectives économiques plutôt positives. Les États-Unis étaient à perspective économique de 4%, voilà, des prémices des technologies qui ont amené à cette bulle. Mais il y avait des fondamentaux économiques plutôt solides. Ici, c'est pandémie, baisse du PIB mondial, et puis des perspectives qui sont complètement inconnues, mais tout de même, hein. Voilà la grande différence. Et donc, ici, on est sur, voilà, on peut se retrouver sur la bulle Internet et la crise de subprime, parce que les banques vont commencer à souffrir, hein, bien sûr. La crise est loin d'être terminée, bien entendu, même si la hausse des marchés est également très probablement loin d'être finie. Mais attention au risque ici. Voilà, donc sur ce Nasdaq 100, donc qui poursuit, c'était une parenthèse. Voilà, peu de niveaux de la même façon. On va aller chercher les 13 000 sur le Nasdaq 100 en étant une heure ici qui se maintient de toute façon au-delà de la moyenne mobile 100, qui est donc le plus bas également récent. On va aller chercher les 13 000, 12 954 avec cette extension de Fibo sur la petite baisse que nous avons ici en décembre. Voilà donc sur les indices, on termine rapidement avec les matières premières. Il y a pardon, le Market Live matières premières qu'on a fait hier. Peu de changements, hein, sur les valeurs, hein, les indices où certaines valeurs prennent, bougent beaucoup, mais sur les matières premières ou autres, peu de nouveaux événements. C'est le 31 décembre, donc c'est la nouvelle année pour beaucoup de monde. Et ici, nous avons donc sur le cours de l'or, on va regarder le cours de l'or et le pétrole, je le disais, les autres matières premières, vous pouvez, il y a le Market Live matières premières d'hier, du 30 décembre 2020. Et c'est ici, sur le cours de l'or, un franchissement pour le moment, première clôture au-delà, ce qui amène plutôt à du positif, un échec normal sous les 1900. Prochaine validation, si on se maintient sur la moyenne mobile 100 périodes, on va chercher les 1904, 1905, 1907, 1904, 1906, et par la suite 1921, qui est l'ancien plus haut historique, et qui permettra d'accélérer par la suite. Mais une validation au-delà ici, au-delà de Fibonacci, au-delà de la moyenne mobile 200, puis de la moyenne mobile 100, est plutôt positif, au-delà des 1900. 1904, 1907, attention à une petite hésitation. Et puis par la suite, on va chercher les 1920 dollars. Un échec sous la moyenne mobile 100, on retourne très probablement sur les 1860 dollars. Le cours de l'argent également est plutôt positif, suit celui du cours de l'or, hein, avec moins d'entrain par rapport au plus haut historique qu'on a connu en 2011 également, mais toujours positif. On va suivre et on termine donc sur le, je vais le trouver, le brut léger, donc le WTI, voilà, qui depuis ce rebond sur notre Fibonacci, le Fibonacci sur la hausse. Je ne prends pas cette baisse en compte du fait justement de, ce sont les CFD, il y a eu du négatif sur le pétrole, etc. Et donc les cotations sont un peu différentes partout. On est allé, je le rappelle, à moins 47 dollars, me semble-t-il, sur le baril de pétrole à échéance, sur la prochaine échéance. Donc ce devait être l'échéance mai. Donc voilà, le Fibonacci est construit sur cette hausse 2016 ici, jusqu'au plus haut que l'on a connu depuis toutes ces dernières années, en 2018. Et ici, on voit le rebond, donc ce Fibonacci. Au-delà, c'est le dépassement donc des 49,40.
pour aller chercher les 50 dollars, bien sûr, mais les 50, 65. Un échec, retour sur ce niveau, en cas de cassure et surtout d'accélération, ou en tout cas de clôture sous ce niveau, on pourra aller chercher ici la moyenne mobile, les 42 dollars. La moyenne mobile ici, voilà, les 42 dollars et les anciens plus hauts, une zone de résistance. Mais les marchés restent positifs. Attention, on change d'année. Attention donc au début d'année tout de même. Même si les marchés devraient garder cette positivité, hein, ce n'est pas un numéro ou une date qui va changer quelque chose. Mais attention par la suite au remous sur les marchés, investiture, Brexit et autres. On termine quand même sur le Bitcoin, rien de nouveau de la même façon, hein, on est une nouvelle accélération. Le Ripple toujours bien baissier, il est en rebond de 2,37. Je le rappelle, sur Ripple, il y a une enquête de la SEC. Le Ripple n'est pas une crypto-monnaie de pareil que les autres, hein, ce sont les créateurs, ou en tout cas les initiateurs du projet, qui mettent des liquidités, qui rajoutent des coins, des tokens dans le marché. Il n'y a pas de minage, et donc ici c'est un peu la Fed au niveau du Ripple. Donc attention tout de même à cette crypto-monnaie, mais c'est surtout qu'il y a une enquête de la SEC d'une part, et d'autre part que toutes les plateformes de trading commencent petit à petit à retirer Ripple de leur plateforme, et donc il n'est plus possible pour certaines plateformes de trader Ripple. Donc attention à cette suppression sur les plateformes de trading et à l'enquête de la SEC, bien sûr. Le Bitcoin toujours roi, toujours en hausse, près de 30 000 dollars, notre objectif qui est quasiment atteint. Il est difficile de mettre des objectifs, hein, donc pas de perspective à 650 000 dollars comme JP Morgan ou autre, ici, ou même 1 million de dollars sur le Bitcoin qui ne tient absolument à rien. L'analyse technique peut, mais a tout de même ses limites. Ici, on a donc, je le montre, voilà, l'extension de Fibonacci, mais l'analyse technique a par la suite ses limites, hein. On peut aller chercher l'autre extension qui est à 73 000, 46 000 ici. Voilà, on a vu l'extension donc sur la baisse historique du Bitcoin, sur la deuxième plus grosse baisse qui était la tendance avant la pandémie. Tiens. Ce n'est pas une valeur de réserve ici pendant la pandémie. On va en apprendre beaucoup sur le Bitcoin justement pendant cette année. Mais la tendance était plutôt baissière depuis 2007. La pandémie, selon moi, a permis justement cette hausse extrêmement importante des marchés. Est-ce que la pandémie et est-ce que la situation va permettre de garder le Bitcoin? On le saura. Et on le saura si, très probablement, si c'est une valeur de réserve, comme le prétendent beaucoup de gens, si les marchés chutent, on verra justement si, comme ici, le marché, le Bitcoin chutera aussi, ou au contraire, ce sera justement le nouvel Eldorado, l'or, et tout le monde achètera du Bitcoin. Si le marché chute et que le Bitcoin monte, en effet, on pourra peut-être se pencher justement sur cette question de valeur de réserve. Pour le moment, c'est un échec à chaque fois. On suivra donc le Bitcoin à suivre, c'est une chose à suivre en 2021, en début d'année, tout comme les SPAC ou les voitures électriques, les nouvelles énergies, ce sera très suivi au niveau 2021. L'objectif des 30 000 qu'on a fixé, du fait de l'analyse technique ici avec ces Fibonacci, pas d'autres objectifs. Je montre simplement les autres extensions de Fibonacci qui sont ici à 46 000 et 73 000. Voilà les perspectives sur le Bitcoin, c'est simplement technique, il ne peut pas y avoir, il n'y a pas vraiment de valeur intrinsèque, bien que actuellement, même des valeurs intrinsèques, ou en tout cas des price earning ratio, donc le nombre de fois que vous payez le dividende, le résultat net d'une société, n'a même plus d'impact. Donc voilà, 1200, 1300 sur Tesla. Donc peut-être finalement. Donc pas d'objectif suivant, l'objectif était à 30 000. Attention donc à cette hésitation, comme on a vu sur les autres Fibonacci, la première extension de cette baisse sur les 20 000, qui était tout de même le niveau à suivre. Ici on a les 30 000 qui arrivent, on suivra avec attention le week-end, et on peut trader tout le temps le Bitcoin, donc on peut arriver avant la fin de l'année sur les 30 000, voire au-delà. Voilà donc sur ce market live, on termine donc l'année sur le Bitcoin, qu'on va très probablement suivre, peut-être comme ça, ou alors à suivre en hausse. En tout cas, il y a très probablement, étant donné la psychologie des marchés, une hausse sur le Bitcoin et une hausse sur les marchés qui devrait se poursuivre, mais plus ça se poursuit, plus la chute sera très probablement difficile. Pas forcément, je ne parle pas du Bitcoin, je parle des marchés. Sur le Bitcoin, on suivra justement s'il y a une prise de conscience des marchés en 2021, très probablement, et que fera le Bitcoin, valeur de réserve ou pas. Merci de suivre ce Market Live. On se retrouve, ou en tout cas, vous retrouverez donc Alexandre Baradez, l'année prochaine, du coup, le 4 janvier 2021, sur une année qui s'annonce également assez mouvementée. Très bonne année à tous, et on se retrouve donc le 4 janvier.